اليوم بدنا نجتمع لأنه في حدا منا صار له فترة طويلة معنا اسمه نيشا. تعالي بدها تعمل شيء كثير مهم بحياتها. نيشا قررت انه انت بعد بكره جمعة بدها تسافر على لوين؟ على سيراليون. I've been here like for 15 years and I've never been to Sierra Leone, and this is a very good opportunity for me to go to my aunt and my relatives and une scène, on accueille des enfants de 5 catégories différentes. Il y a les réfugiés, il y a les demandeurs d'asile, ça veut dire les gens qui ont quitté leur pays dans le but d'être reconnus comme réfugiés, mais ils ne sont pas reconnus comme réfugiés par le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, mais quand même ils restent au Liban. Il y a les familles des travailleurs migrants. Et là, on parle de deux catégories. Il y a ceux qui ont un statut légal au pays, ça veut dire qu'ils sont sous contrat de travail avec un sponsor. Et à la deuxième catégorie, c'est les gens qui sont là hors contrat, ça veut dire qu'ils ont une situation qui n'est pas du tout légale, mais qui essayent de régulariser leurs papiers ou de survivre au moins. À la fin, il s'agit des sans-papiers. Ça veut dire des gens qui peuvent être libanais, mais qui n'ont pas de papier, faute de système, ou parce que leurs parents ou leurs ancêtres n'ont pas fait les démarches qu'il faut pour avoir le papier. Voilà, ces gens-là sont exclus par le système juridique et social et éducatif au Liban. L'importance de l'école Ensen pour ces enfants, c'est que ou bien ils sont à une scène, ou bien ils sont dans la rue. Soudan. On est Jemna. Soudan. Syrie. Soudan. Nous, on les accueille un an, deux ans, et puis on les aide à réintégrer une école libanaise parce qu'on a un partenariat avec une école en particulier où on les aide à avoir des papiers, et à ce moment-là, ils peuvent réintégrer un système scolaire normal. Le but, c'est qu'ils ne soient pas en rupture scolaire. Le but, c'est qu'on les sorte de la maison et qu'on les prépare à recevoir une éducation dans des conditions décentes. Du coup, ce sont des enfants qui arrivent avec beaucoup de difficultés et de problèmes, soit parce que le contexte familial est très compliqué à cause de la pauvreté, à cause du fait qu'ils ont quitté leur pays, ou ils ont pu vivre des traumas auparavant, si ce sont des enfants irakiens par exemple. Du coup, on prend en charge ces enfants de façon totale, Yanni. On fait une réorientation psychologique si l'enfant a besoin de support psychologique. On travaille aussi avec les familles, l'entourage familial, à travers les assistantes sociales et les psychologues. Il y a aussi une assistance légale, donc on aide ces familles à avoir des papiers, des passeports, etc. pour soit les faire réinscrire dans des écoles officielles ou tout simplement les aider à vivre ici au Liban. Ils vivent ici au Liban, donc on essaye de leur qu'ils aient un avenir ici au Liban. D'autres sont seulement de passage et cherchent à émigrer ailleurs. Dans ce cas-là, on essaye qu'ils acquièrent au moins l'anglais ou des langues étrangères pour qu'ils puissent se débrouiller là-bas. Donc ça dépend aussi de l'histoire de chaque enfant et de sa famille, comment elle vit ici, quel est le but de la famille, etc. Maybe sometimes I'll go because they said if my paper from my passport paper it is finished, I can go. On le sent, et Annie, dans ce qu'ils ne trouvent pas leur place ici, ou ils entendent des choses dans la rue tous les jours sur leur couleur ou sur leur physique ou des choses comme ça. On essaye de montrer qu'eux aussi peuvent être utiles à la société, qu'ils ont leur place, que ce sont des êtres humains, et leur donner confiance en eux.